ではここで先生たちの趣味を伺いたいと思います。先ほどと一緒にフレデリック先生からお願いいたします。 Oui, merci. Donc, pendant mes loisirs, mon temps libre, j'aime beaucoup me promener dans le quartier que je viens de déménager à la fin de l'année dernière. J'explore encore le quartier. J'aime beaucoup, si j'ai le temps, faire un peu d'exercice aussi, un peu de yoga si je peux. Voilà. Et j'aime beaucoup faire également les marchés aux puces. J'aime beaucoup les antiquités, découvrir les antiquités japonaises, européennes. J'aime particulièrement les montres anciennes. Même si je ne peux pas me permettre de collectionner ces montres, voilà. J'aime faire de nouvelles découvertes. Voilà. Merci. フレデリック先生ありがとうございました。引き続きジョゼフ先生にも伺いたいと思います。 OK c'est reparti pour un tour. Donc pour ce qui est de mes loisirs, j'en ai quelques-uns. J'allais dire le premier de mes loisirs, c'est un peu le sport. J'aime bien faire du jogging, du vélo de course. C'est pas un triathlon, mais presque. Voilà. Donc je fais ça en une heure de sport. J'aime bien bouger, j'aime bien transpirer. Bon, il faut perdre des kilos. Au Japon, c'est normal. On mange beaucoup. Et après, il y a une autre passion. En fait, j'en ai deux autres. C'est la musique. Donc, moi, je suis pas aussi bon. Je suis vraiment un débutant. J'ai fait du saxophone. Donc, je suis plutôt dans le jazz. Je ne sais pas lire malheureusement les partitions. Takufu wa yomenai no de, zanbu mimi de. Kakkoii! Yaya, de mon nez. Ah non. Soyez kanji desu. Et puis, une autre passion, c'est le dessin. Alors j'ai commencé, bien sûr, par dessiner des mangas, parce que j'aimais beaucoup les mangas. Ouais, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup dessiner les mangas. Mais avec l'âge, bon, ben, sasugi oshimashita. Et puis, Nihon ni kite kara, hotondo manga wa minaku natte kimashita. で、今度は違う趣味になってきた。今度はあのルーブルにある、いわゆるその、なんですか、人物の顔を描くのはすごく、そう、好きになって。で、それがもう、まあ、そう、まあ、モナ・リザはちょっと難しいかもしれないけど、でもまあ、結構いろんな有名な画家の絵を模写したりとか、まあ、そういうのを趣味があります。まあ、大体はこれぐらいかな。なんかちなみに私絵拝見させていただいたことがあるんですけど、どっちがプロの写真、プロの絵かわからないぐらいクオリティが素晴らしかったですね。なんか始めたばっかりというか言いながらプロぐらい。まあ猛者だからね。見たいですね。あ、私もいいですか。じゃあ、趣味はモータースポーツです。今年また始めようかなと思って筋トレしてるんですけど、頑張ります。ちょっと違うね。今年もう一度始めようと思って頑張ってます。はい、首が太くなるようにトレーニングします。そうなんです。どうやってするんですか、首の筋トレってこうやってるんですか。なんかいろいろあるんですね。はい。なかなかこんなに美しい方がバイクというのがちょっと驚きですけれども、バイクとか車とかカーティングとか。男性的ですね。なんか男の中の男だとか時々言われるんですね、男の人に。こんなに美しいの。ありがとうございます。Moi, c'est un peu comme Joseph. Ma première passion a été le dessin. J'ai suivi d'ailleurs des études d'art à l'université, des études artistiques d'abord. Donc je dessine depuis que je suis petit, moi aussi, toujours. Même maintenant, de temps en temps. Un peu de tout. J'ai fait de la bande dessinée, j'ai même publié des bandes dessinées. J'ai fait des peintures, des tableaux. Mais c'est surtout le dessin, plus que la peinture ou la colorisation, plutôt du dessin. Et ma deuxième grosse passion, c'est le football. Donc j'adore jouer au football depuis que je suis... Zidane ! C'est ça. Il est souvent. Les faux airs.
couleur des élèves. Nitel. Ah, sans rien. Et donc j'ai repris au Japon le futsal. L'année dernière, j'ai repris le futsal. D'ailleurs, j'ai joué avant-hier, il m'a fait très froid, moins de 2 degrés. Sur le toit d'un immeuble. Mais à l'extérieur. C'est pas ça. Ça s'appelle le futsal. Le futsal à l'extérieur. C'est français. Ah ouais. Futsal. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Sur le toit d'ailleurs, près de chez moi. J'ai découvert ça un peu par hasard. C'est donc un club de futsal. Ouais, c'est ça. On s'inscrit. Ça a dû souffler hier. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Donc voilà les deux principales passions de la Sakato et de Ryokate. C'est les deux principales passions. Alors, concernant mes activités en dehors du travail chez Ensemble, mes passions, mes loisirs, depuis que je suis au Japon, je n'en ai pas beaucoup. En ce moment, je suis des cours à l'université, plus mon travail chez Ensemble, donc ça ne laisse pas beaucoup de temps libre. Mais quand j'ai un peu de temps libre, je fais du sport, je joue aux jeux vidéo. Ok. Aux jeux vidéo, en général. Mm-hmm. Je suis plus un joueur de jeux sur ordinateur. Mm-hmm. Mais je joue à n'importe quel jeu vidéo quand j'ai le temps. J'ai un peu de temps. J'aime aussi regarder des films, des dramas, beaucoup de séries américaines. C'est très addictif. Disons de ma fenêtre. En dehors de ça, avant aussi je faisais du dessin, pour parler dessin. Mais c'était plus comme un loisir. Donc moi aussi j'ai dessiné des mangas, mais de mon côté, personnel, je les vendais à l'école à mes camarades de classe pour faire de l'argent. J'ai fait ça. Pour acheter des crayons de couleur. Pour acheter autre chose, en général des mangas d'ailleurs, pour acheter des vrais mangas. Sinon, la musique, j'ai joué avant, il y a longtemps, dans un groupe de variété. Je joue de la guitare et de la guitare basse. Mais ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, ça fait bientôt 20 ans que je n'ai pas touché un instrument de musique. Nihon ni kite kara amari jiyū na jikan ga nakute izugashikute shigoto ga aru shi ima daigaku de benkyō shite iru tokoro da shi amari shumi no jikan ga nai desu. でも時間がちょっと時間があればビデオゲームをやってますか。私も子供の頃絵描くが好きだったので高校生の時同級生に自分の描いた漫画を売りました。買うぐらいすごいレベルが高い。その時はすごく変な変な計画しましたからみんなが惜しい惜しいって言って、そのもらったお金おかげでちゃんとの漫画を買いました。すごい。で、高校生の頃も、翻訳もしました。バリエティは、なんか、G-POP って言うけど、フランスのポップミュージックのバンドで、翻訳しました。ギターとギターバス。弾いています。
La variété française. Okay, la pop. C'est pour rock, les Japonais. Parce que la variété, on ne comprend pas. On dit la pop musique en général. Donc la variété française, c'est de la pop musique. Comme de la J-pop, comme de la pop musique anglaise, comme de la pop musique américaine. Voilà. Il y a un groupe en particulier que vous faisiez? Ah non, non. C'est de la variété française. Que je détestais. Ah non, téléphone. Ah. Du Carou, Notre-Dame de Paris, Goldman, Johnny Hallyday, Abba. Ah oui, ça c'est vraiment de tout. La variété française et de la variété internationale. Mais moi, je préfère le rock et le hip-hop. Donc c'était un peu différent. C'est sûr. Voilà, donc je laisse le micro à Miki Sensei. Merci. Je n'ai pas vraiment de loisirs, mais j'aime, peut-être comme tout le monde, j'aime la musique. Je joue de la batterie depuis déjà à peu près 10 ans. Et je joue de la guitare aussi, mais et un peu du piano. Mais comme Joseph, moi non plus, je ne sais pas lire des partitions. Donc. Ah, et mon père était saxophoniste. Oui. Mon père est saxophoniste toujours. Et j'aime apprendre les langues étrangères aussi. Ça se voit. Le français est la seule langue que je parle vraiment, mais j'ai appris d'autres langues comme l'italien, l'allemand, le turc, le russe, le coréen. でも喋れるのは日本、フランス語と日本語だけです。趣味は、音楽 とドラムとギターとピアノを少し弾きます。あとは本を読むのと映画を見るのも好きです。趣味という趣味はないんですけど、外国語の勉強が好きで、やったことのある言語でよければ、イタリア語、ドイツ語、トルコ語、ロシア語、韓国語、Merci を勉強したことがあります。喋れなくても勉強するのは楽しいし、喋れたらもっと楽しいと思います。Je pense que c'est tout。私の趣味はですね、やはりフランス語を学ぶことです。もう2011年からですの でアンサンブルさん、アンサンブルには2013年からなんですが、おかげさまでちょっと最近フランスに行ってまいりましたが、もう、ね、細かいことはちょっとまだちょっと力が足りないんですが、割と旅行においては不自由なく行ってこれたかなと思います。本当にアンサンブルアンフランスとあと講師の皆様が地道にコツコツ諦めずに教えていただいたおかげだと思います。ありがとうございました。これからもちょっと出来の悪い生徒でもありますが、よろしくお願いいたします。それでは次は皆さんに好きな食べ物を伺いたいと思います。フレデリック先生。 Voilà, merci. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai beaucoup mangé, évidemment. Avant tout la cuisine suisse, les spécialités suisses, puisque voilà, je viens de Suisse. Dans ma région, évidemment, les spécialités au fromage, comme la fondue au fromage et la raclette sont peut-être les plus connues. Et également pas mal de spécialités de poissons du lac aussi. À part ça, j'aime beaucoup la nourriture française. De manière plus générale, mais c'était plutôt la nourriture de terroir, la choucroute par exemple, le pot-au-feu, des nourritures assez simples pour faire ressortir la qualité des aliments. Et bien sûr, j'adore la nourriture japonaise en général, pour citer que
les sushis, par exemple, le poisson d'une manière plus générale, et voilà, la cuisine japonaise est vraiment excellente. Mmh. Voilà. Ok. Donc pour la nourriture, bon, ça va être très rapide. La nourriture française, bon, j'aime tout. Je mange de tout. Mais il y a un plat que j'aime beaucoup. Quand je rentre en France, c'est pas un plat, c'est l'anguillette. Ah, l'anguillette triple A. Voilà. Donc là, on rigole plus. C'est vraiment quelque chose pour moi de très important. Quand je rentre, je vais chez mon boucher et je vais acheter des bonnes anguillettes. Quel type d'anguillette? Alors, moi, je ne sais pas, je ne suis pas très... je suis pas un sport. Ou anguillette. Voilà, deux, trois. Je me rappelle souvent, c'était marqué. Anguillette de trois. Et bien grillé, bien sûr, avec une sauce moutarde ou même juste de la moutarde. Et bien sûr, des pommes frites. Voilà, c'est vraiment le plat que je conseille d'ailleurs aux Japonais. Alors, pour les Japonais qui regardent l'anguillette, ça ressemble un peu à naninite le katu to motsu. Ma rotonde on a dit mon nom. Yori mo. Non, c'est beaucoup, non, kitsui desu. Kitsui dakudo, oishii desu. Chizu to ishio. Kitsui dakudo, oishii desu. Zehi tabete mite kudasai. Owarimashita. え、私が好きな食べ物はリヨンのクネルです。もう好きすぎてリヨンまで行って食べて帰ってきたっていうことがあるぐらいなんですが、初めて食べた時に何このはんぺん焼いたみたいなと思ってなんか好きじゃなかったんですけど、次の日に食べたくて食べたくてしょうがなくなってしまってハマってしまいました。またちょっとクネルを食べるためだけにリヨンに行きたいなと思ってます。皆さんもぜひ食べてみてください。美味しいです。Moi j'aime beaucoup, pour les plats français, j'aime beaucoup le hachis parmentier. Ce n'est pas très populaire au Japon, on n'est pas vu. C'est ma kiniku, hein, kiniku, sonoge wa mashed potato, stone cheese, hikiniku, hikiniku. C'est aussi bon, kamane kimo. Des carottes aussi. Et donc j'aime beaucoup ça. Et je ne trouve pas ça au Japon, bizarrement. Tous les restaurants. Il faut le faire. Aussi, il faut le faire. Il faut le faire. Je comprends. Alors, concernant la nourriture aussi, un peu comme tout le monde ici, étant français, j'aime beaucoup manger. Et avant de venir au Japon, j'ai habité pendant 10 ans à la montagne, donc comme Frédéric, parce que je n'habitais pas très loin de chez lui. Je mangeais et j'adorais, j'adore toujours beaucoup les plats de la montagne française qui ressemblent un peu aux plats traditionnels suisses. Donc la fondue, la raclette bien sûr, les reblochonnades, tout à base de fromage. Yama ni junen gurai nihon kurumae ni sundeta no de chizu tabemono ga takusan suki desu. Et もともと Lyon から来ますから je viens de Lyon, donc j'aime beaucoup aussi la nourriture gastronomique lyonnaise qui n'est pas de la nourriture gastronomique vraiment comme on peut imaginer la nourriture gastronomique, mais de la nourriture familiale qui est arrivée dans le champ de la gastronomie. 日本語ですごく難しい説明になりますけど Lyon の料理も大好きです。リヨンの料理はすごくガストロノミーという、何と言いますか、ガストロノミー、日本語。ガストロノミー。
ガストロノミー。ガストロノミー。美食。なんか美食。美食。美食。美食。美食。リオンの料理はガストロノミーという料理ですが、実はみんなポール・ボキュース知ってるかもしれない。もともと家庭料理です。で、家庭料理は広がってガストロノミー、美食のように、したかった。で、結局すごく普通の料理、家庭料理です、普通の料理だけど美食になりました。どう言いますか？美食になりました。はい、じゃあ後で和食なら何でも好きです。納豆、角煮大根も、納豆も食べられます。何でも梅干しも朝ごはんで食べます。はい、じゃあ、いびき先生。何でも食べる、日本食もフランス料理も、大体好きで何でも食べるんですけど、シャフトジェムルショコラ、そこがすごく好きですね。コーヒーもすごい好きなので、よく合うのでしょっちゅう食べています。で、あとは、comme j'habite en Bretagne, j'aime la galette, la crêpe et le cidre, que vous connaissez peut-être. ブルターニュのレンヌに住んでいたので、ガレット、そば粉の、クレープと、あとはリンゴのお酒のシードルというのが有名なんですけれど、すごく好きです。東京でも結構食べられるところがあって、ガレットとかはこの間も友達と食べに行ったりしました。はい、以上です。ビキ先生とはちょっと趣味が合いますね。私もチョコレートも大好きですし、コーヒーも好きです。そして何よりガレットとクレープ大好きですね。ただまだまだ本場のブルターニュには行ってないので、ぜひ次の機会にはガレットとタカレットを食べに行きたいと思います。